À tous, ici BPXR Gaming sur une nouvelle vidéo de Baldur's du Gate 3. Dans la toute dernière vidéo, je vous avais présenté le jeu brièvement, j'avais présenté quelques petites choses, j'avais expliqué un petit peu les principes très basiques du jeu, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et aujourd'hui, euh, on va parler surtout des classes et des multiclasses pour débutants, j'ai envie de dire, hein. euh, c'est-à-dire quels sont les meilleurs choix possibles pour vous pour vous aider à bien progresser dans le jeu, surtout lorsque c'est une première partie. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que là ce n'est pas euh, ma partie principale, j'en ai fait quand même plusieurs, étant donné que c'est un jeu euh, exclusivement solo. Même s'il y a une coopération, une partie coopération, ça reste un jeu solo. Donc il y a des add-ons qu'on peut installer dans le jeu et qui ne gâchent pas l'expérience du jeu. Enfin, selon euh, ce qu'on choisit. Moi, je n'ai choisi que celui qui donne un bonus d'XP pour pouvoir justement présenter. Cette vidéo-là, hein, j'allais pas tout recommencer dès le départ, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une partie, mais avec un bonus d'expérience pour que je puisse accéder là à certaines choses tout de suite dès le début du jeu, pour que ça puisse illustrer mes propos correctement. Et euh, moi, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, donc, c'est de faire plusieurs parties en en gardant toujours une où il n'y a aucun add-on d'installer. Comme ça, vous pouvez jouer avec la l'expérience de jeu la plus pure, c'est-à-dire vanilla, comme on dit, sans add-on, sans rien du tout. Pour ne pas être gâché euh, par peut-être euh, une facilité un petit peu trop élevée au début. Et pour justement vos parties où vous jouez avec des add-ons, je vous conseille quand même d'augmenter donc la difficulté, de le mettre en tacticien pour que la, di la difficulté soit là et que votre expérience de jeu ne soit pas gâchée. Donc là, on est à sortie du vaisseau. Hein, et euh, ici au fond, là, vous voyez où ma souris elle bouge, il y a des caisses euh, au bord de l'eau. Je suis allé chercher dans ces caisses-là des outils de crochetage. Donc je vous invite à faire de même. Parce que euh, ce qui va suivre euh, est important et il va falloir crocheter cette serrure, bien qu'il y ait d'autres passages. Ici, c'est le passage vraiment le plus simple pour éviter certains combats. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je tiens aussi à signaler que j'ai rajouté Ombre -cœur à, à mon équipe. Donc, c'est l'un des personnages que vous allez très vite rencontrer, vu qu'elle est au bord de la plage après avoir quitté le vaisseau. Et c'est une soigneuse. Donc, je vous invite à la prendre. Comme ça, vous allez pouvoir être euh, quand même plus. Euh, on va dire euh, plus euh, en confort dans les combats, vous allez avoir quand même une soigneuse. C'est important parce que les combats en tacticien sont quand même très difficiles. Voilà, donc ceci étant dit, moi, la classe que je vous conseille, vous avez donc vu, vous avez dû remarquer, moi je suis magicien. C'est une classe que je conseille. Pourquoi Parce qu'il s'agit de la seule classe du jeu. Qui a la possibilité d'apprendre ses sorts ses compétences euh, par un autre moyen que de monter en niveau parce que dans ce jeu lorsqu'on monte en niveau c'est là qu'on va nous proposer d'acheter des sorts des compétences qui sont ici qui sont présentes là dans ma barre par exemple et le truc c'est que on va vous en proposer par exemple 15 20 etc mais à chaque fois vous allez pouvoir en choisir que une ou deux selon hein, euh, en montant de niveau et donc, vous ne pourrez pas tout avoir les sorts. Et certains sont très intéressants. Et parfois, il est intéressant d'avoir plusieurs sorts qui peuvent se combiner les uns les autres. Le magicien, lui, a la possibilité, euh, lorsqu'on va voir des marchands ou lorsqu'on loot des mobs, etc., de temps en temps, il y a des livres de sorts. Et en fait, contre de l'argent, vous ferez un clic droit dessus et vous pourrez apprendre la compétence. Et donc, l'intérêt. Euh, c'est qu'il y a un PNJ derrière cette porte-là qu'il faut aller débloquer. C'est pour ça que je, vous, je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Je vais le faire avec vous, ne hein, vous inquiétez pas. Ce PNJ en fait contre des pièces d'or permet de réinitialiser à chaque fois votre classe. Vous pouvez vraiment choisir d'être magicien, et après si vous lui payez 100 pièces d'or, vous pouvez carrément être paladin, clair, etc. Et donc euh, le truc c'est qu'à chaque fois que vous allez réinitialiser euh, votre personnage, les sorts appris avec les sorts, avec les livres, euh, seront gardés en mémoire, seront stockés. Ils pourront toujours être utilisés comme magicien par contre si vous choisissez d'être guerrier, vous n'y aurez pas accès mais si vous rechoisissez d'être un nouveau magicien, vous y aurez accès. Donc l'intérêt, si vous comprenez bien, c'est d'apprendre un maximum de sorts avec des livres et de temps en temps aller le voir lui, réinitialiser votre personnage en tant que magicien et apprendre les sorts que vous n'avez pas appris avec les livres. Comme ça, avec les livres en combinaison avec ce que vous allez apprendre en montant en niveau, vous allez avoir un grand un très grand choix de compétences. Et là, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, on est limité par le nombre de cases et puis de toute façon, par le nombre, vous savez, de, de points d'action. Mais au moins ça vous permet d'avoir vraiment un véritable éventail de possibilités et de pouvoir les modifier avant chaque début de combat, avant qu'un combat réellement commence, quand vous savez que ça va être un peu compliqué, vous sauvegardez devant et en fait vous allez modifier selon les adversaires que vous allez affronter choisir des compétences qui va mieux si vous affrontez, j'invente euh, par exemple des, 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 des monstres qui sont résistants à l'acide, et eh bien là à ce moment là vous changerez, vous ferez un truc qui sera plus efficace contre ces monstres là, et ainsi de suite c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de faire ça lorsque vous êtes débutant, de choisir des la classe magicien puisqu'elle a vraiment cette, euh, cet avantage là et l'autre chose que je vous conseille c'est le multiclasse parce que euh, vous pouvez être beaucoup plus optimum en fait lorsque vous choisissez qu'une classe pure vous allez avoir de choix de compétences mais comme je vous ai dit vu que le magicien peut en apprendre énormément vous n'aurez pas forcément besoin d'être au niveau 12 parce que le niveau 12 c'est le niveau maximum hein. vous n'aurez pas besoin d'être jusqu'au niveau 12 d'aller jusqu'au niveau 12 pour être euh, efficace et dans ce cas là le multiclass peut être intéressant euh, vous pourrez euh, choisir une classe secondaire comme par exemple guerrier ou barbare pour être aussi résistant et ça c'est ce que je vous conseille parce qu'en combat le magicien a des sorts puissants mais il est très faible il a une très faible résistance et vous allez mourir très rapidement surtout en tacticien donc avoir une multiclasse guerrière etc déjà ça va vous offrir la possibilité de d'avoir accès à énormément d'armes de maîtriser beaucoup plus d'armes et aussi, aussi plus d'armure donc voilà le menu lorsqu'on monte en niveau vous voyez niveau 2 j'ai soit le choix d'augmenter de passer du niveau 1 à 2 en magicien et donc avec ce qui, ce qui va avec, quoi. Soit tout simplement lorsque vous êtes ici, vous pouvez en fait ajouter une classe et dans ce cas-là, mettre le point de niveau 1 à 2, le mettre ailleurs. Et donc vous seriez niveau 1 magicien, niveau 1 guerrier, par exemple. Et donc à chaque fois que vous allez monter en niveau, vous allez devoir choisir après soit de continuer dans Guerrier, soit de revenir à Magicien, et ainsi de suite. Dans le jeu Vanilla, vu qu'on peut monter jusqu'au niveau 12, ça signifierait que vous pourriez au maximum être Magicien niveau 6, Guerrier niveau 6, par exemple, enfin peu importe, en tout cas une autre classe niveau 6. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un mode qui est assez intéressant, ça permet d'aller jusqu'au niveau 20, ce qui fait que vous auriez une multiclasse niveau 10 et niveau 10 au mieux, ou au niveau 3, niveau 17, enfin vous avez compris, en gros que ça fasse 20. Donc, l'idéal... C'est au moins d'installer ce mode-là. Je le mettrai au pire des cas en lien dans la description, comme ça. Moi, c'est ce que je vous conseille quand même. Ça gâche pas le jeu, mais au moins, vous pouvez avoir un, un accès au sort du magicien au niveau 10. C'est les mêmes que ceux qui sont au niveau 12. Donc, c'est pour ça que je vous conseille ça. Et comme ça, vous pouvez avoir soit une multiclasse 10-10, soit par exemple le magicien niveau 12 avec euh, un, un niveau 8, euh, par exemple, en guerrier ou en barbare. Vous voyez, donc là, en étant magicien. Vous pouvez choisir ensuite de continuer dans cette classe-là, donc l'abjuration, soit évocation, nécromancie, question. Donc là, ça va être plus une question de goût. Hein. Moi, j'aime beaucoup la nécromancie, mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Il y aura donc des aptitudes différentes selon la sous-classe. Et vous pouvez voir ici, regardez là, il y a 17, euh, 17 sorts, mais en fait, je peux en choisir que deux. Et c'est ça que je vous disais. Lorsque vous allez augmenter avec le temps en niveau et que vous allez souvent aller aux marchands, vous allez tuer des ennemis, etc., vous allez beaucoup découvrir des livres de sorts. Et il se peut que ce soit des livres de sort euh, que vous connaissez déjà parce que vous les auriez déjà choisis en montant en niveau. Et donc il est là l'intérêt d'aller bien voir le PNJ qu'on va débloquer après pour pouvoir initialiser tout ça et vous choisirez après que les sorts que vous n'avez pas appris avec vos livres. Et comme ça vous allez avoir à la fin tous les sorts disponibles. Donc là par exemple vous voyez je viens de monter donc, en niveau euh, niveau 2, euh, enfin niveau... Euh, Pardon, guerrier, j'ai mis niveau 1. Donc du coup, je suis niveau 1 guerrier et niveau 1 magicien. Donc là, vu que je dois encore monter en niveau, là je choisis d'être soit niveau 2 magicien, soit d'être niveau 2 guerrier. Donc là, je vais choisir magicien. Je vais mettre de la nécromancie. Je vais choisir deux sorts qui peuvent être intéressants pour moi. Là, c'est des petits sorts, donc c'est pas très euh, encore puissant, mais ça reste intéressant. Je vais choisir ça et je vais par exemple après devoir choisir les sorts ici que j'ai envie de faire en préparation bien que je peux toujours les changer après je vais vous modifier je vais vous montrer pardon comment les modifier ensuite et j'accepte et là je vais ensuite remettre un autre niveau en guerrier j'arrêterai là comme ça je serai comme ça niveau euh, niveau 4 entre guillemets voilà 2 de 2 là j'accepte ceci hop accepté. et je vais quitter Voilà, donc ça veut dire que je suis là, niveau 2, euh, je suis niveau 4, mais je suis niveau 2 magicien, niveau 2 guerrier. Vous pouvez voir ici, niveau 2 magicien, niveau 2 guerrier. Donc j'ai certaines compétences en termes de guerrier, certaines compétences en termes de magicien. Hop, ça, je vais modifier ça. Voilà. Donc on peut après choisir de les placer différemment. En fait, ici, il y a un petit verrou qui permet de déplacer les compétences et ensuite de reverrouiller dès que vous en avez fini. Et vous voyez, le fait d'être déjà guerrier, ça me permet de débloquer un sort de soin que je n'aurais pas en magicien. Et à l'inverse, là, grâce à la magie, je peux quand même faire des sorts puissants que je n'aurais pas en guerrier. Ensuite... Il y a le menu. Quand vous appuyez sur le menu K, vous allez donc avoir accès à votre menu de compétences. Vous allez donc les compétences magiciens, guerrier, les compétences communes s'il y en a. Donc, en général, c'est plutôt les réactions comme ici, actions courantes quoi. Et euh, vous allez, avec le temps, avoir des sorts ici que vous allez euh, débloquer en montant de niveau et en apprenant, comme je vous ai dit, avec les livres. Et ici, il y a les sorts, ce qu'on appelle les sorts mineurs, qui peuvent se lancer à l'infini. Alors que ceux-ci là, ils ont euh, en fait une durée enfin euh, une utilisation pardon euh, limitée c'est une fois euh, entre deux longs repos qu'on peut les utiliser donc ici par exemple celui-ci il utiliserait regardez il se met en surbrillance il utiliserait un, un point d'action tandis que celui-ci c'est un sort mineur donc c'est juste une action mais il peut être lancé à l'infini lorsque vous de toute façon vous voulez savoir quels sont vos sorts mineurs vous cliquez simplement ici et vous voyez en réalité lesquels sont des sorts mineurs donc hop donc voilà donc, ce qu'on va faire, je vais crocheter cette serrure en espérant pouvoir la crocheter. Et étant donné que je n'ai pas réussi, je vais devoir donc passer par une autre entrée. Euh, vous auriez aussi pu euh, trouver un autre PNJ plus loin qui est un vampire. Il y a la possibilité, il me semble, de crocheter facilement, mais vu que je l'aime pas, moi j'apprécie pas ce personnage là personnellement, il m'intéresse pas vraiment, il m'attire pas. Euh, je vais pas l'utiliser, je vais tout simplement aller trouver une autre entrée qui est ici. En fait, on va contourner, on va monter au sommet et c'est la même chose que là où on était, sauf qu'on va passer par une autre porte, mais il y aura plus de combats. Voilà, on vient d'arriver à la seconde entrée. Vous voyez qu'en fait, ici il y a des ennemis et il va falloir donc passer par cette porte là. Donc soit il y a plusieurs solutions, soit si vous étiez furtif vous pourriez passer de manière très furtive pour essayer de passer là-bas, soit si vous avez une bonne persuasion juste avec un dialogue ça pourrait passer, vous pourriez les faire fuir, ils auraient peur de vous et dans ce cas là vous pourriez passer sans combattre, soit si vous êtes mauvais comme moi et que vous êtes nul en diplomatie, eh bien en général le combat va s'activer.

Donc ce vaisseau grouille de monstres, il vaut mieux ne pas s'en approcher, vous force, je n'ai pas envie de vous faire du mal, mais si vous me provoquez, je continuerai de vous frapper bien après que vous soyez mort. Donc je vais essayer ça et on va voir ce qui se passe. Bon, la difficulté elle est de 5, elle est pas énorme, hein. On va voir. 13, donc j'ai réussi. Voilà, donc il s'enfuit et là il y en avait en fait 1, 2, 3 et là ici 4, donc 4 ennemis. Ça peut des fois être compliqué, surtout lorsqu'on débute dans le jeu. Là on peut voir qu'il n'y a rien de spécial ici, donc je vais avancer. Après moi ce que je vous conseille de faire c'est d'explorer toujours la zone pour essayer de voir tout ce qui peut être lootable. Donc là on va voir un peu ce qui se passe. Alors oui, si moi ouvre, Faut, euh, Fior Godet est tombé dans un piège quelque part, il a besoin d'aide, vite. Euh, Laissez-moi entrer tout de suite. Fior Godet s'est fait la mal, vos amis vous ont lâché. <laughs> donc ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être faire... Représentation pour voir. Ah oui, difficulté 10, donc c'est un petit peu plus élevé. Est-ce que je peux ajouter des bonus Oui, je peux en ajouter. Aïe. Bon. Ça n'a pas marché. Bon du coup, système D, étant donné que ça n'a pas marché, la seule solution que j'ai à m'apporter, c'est d'attaquer le rocher ici. Pour pouvoir justement envoyer le rocher ici et on va passer par là. Là, ce serait donc la pire solution possible si jamais, comme moi, vous aviez vraiment tout raté. Voilà. Donc le truc étant donné que je suis en tacticien, hein, la difficulté est à, son, est à son maximum, ce que je vais faire là, c'est que je vais euh, passer cette étape-là dans le montage. Je vais devoir livrer combat, j'ai pas le choix. Et une fois que ce sera fait, en espérant que j'y arrive, et eh bien euh, si j'y arrive, en tout cas dans le montage là, normalement vous ne verrez pas cette étape et on passera directement à l'étape d'après. Mais en espérant pour vous, en tout cas, que vous n'ayez pas eu besoin de faire ce que j'ai fait là, et dès que vous auriez réussi à passer la première entrée avec le crochetage dès, dès le départ. Donc là, hop, c'est fini. Hop là par contre, elle est dans un sale état. On broker, elle a été... Ah bah elle est morte donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement utiliser un parchemin de résurrection. Ah oui, elle était vraiment dans un sale état. Donc, là, ce que je conseille de faire en général, quand c'est comme ça, de faire un court repos, même deux peut-être. Voilà, histoire de, de pouvoir récupérer des points de vie. Et donc, vous voyez, ici, il y a, hop, parchemin euh, de main brûlante. Et ce sont donc ces fameux parchemins, regardez, lorsqu'on fait un clic droit dessus, en fait, écrit apprendre le sort. Moi, je l'ai déjà. Mais justement, quand je ferai une respecialisation, au lieu d'acheter les mains brûlantes, vu qu'elles sont là, eh bien, je pourrais l'apprendre avec le sort. Comme ça, lorsque je monterai en niveau, plutôt que d'apprendre les mains brûlantes, j'apprendrai autre chose à la place. Comme ça, j'aurai bien les mains brûlantes, cette fois-ci, acquis pour toujours, plus euh, la compétence que j'aurais eue en évoluant ni en montant de niveau. Voilà, tout simplement. Voilà, là, j'ai pu crocheter. Là, c'est Donc, ici, c'est la zone où il y a le PNJ qu'on doit aller voir. Donc, euh, moi, je vous passe les détails. Je vais pas tout fouiller. Il y a pas mal de choses à prendre. Ah, bah, bon, regardez, j'ai encore eu un parchemin de main brûlante. Décidément. Mais vous voyez, euh, c'est de manière aléatoire les loot Donc, il faut regarder souvent s'il peut y avoir sur les cadavres des sorts à apprendre. Mais dans tous les cas. Lorsque vous faites en fait une, euh, un, un repos au campement et que vous retournez voir les, euh, les marchands dans la, dans la ville qui sera le Bosquet d'Émeraude, bien à chaque fois son inventaire euh, se, se réapprovisionne en, en sorts. Donc c'est pour ça que je vous avais expliqué que euh, utiliser le PNJ ici qu'on va débloquer permet à chaque fois d'apprendre de nouveaux sorts. Mais par contre il faut quand même pas mal de pièces d'or. Donc là je vais cliquer ici, comme ça les, les zombies qui étaient euh, tout autour vont, vont se réveiller, il va falloir les combattre. Vous voyez, il y en a il me semble quelques-uns, mais ils sont assez faibles, hein. ils sont plus faibles que les ennemis que j'ai dû affronter euh, euh, précédemment. Donc vous les tuez et vous pourrez après accéder à cette pièce-là et débloquer le PNJ. Donc là je vais vous passer le combat pour aller plus vite et comme ça je vais pouvoir tout de suite vous montrer le PNJ en question, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, Re, donc là on va pouvoir du coup parler au PNJ.

So my question. So, I ask again what is the worth of a single mortal life? Hmm. 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 fait qu'à chaque fois que vous irez dans votre campement il va être présent vous devrez avoir une boîte de dialogue avec lui quand même pour lui euh, l'activer entre guillemets et à partir de là vous allez pouvoir à chaque fois contre 100 pièces d'or réinitialiser euh, votre classe soit pour la changer soit juste pour la remettre à niveau et réapprendre les sorts que vous n'aurez pas eu avec les livres de compétences en passage n'oubliez pas de récupérer ce qui est ici il y a un pendentif qui peut être assez intéressant donc voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais sortir de cette ruine là euh, vous étiez pas obligé c'est juste que ici lorsque on est encore dans la forteresse le campement il est un peu bizarre moi je préfère le campement de la plage donc là on va aller au camp voilà il est juste ici maintenant vous verrez et il va vous permettre d'avoir donc diverses diverses euh, divers, euh, utilités et vous pouvez aussi grâce à lui recruter des mercenaires etc mais là ce sera le sujet d'une autre vidéo

Ça pourrait être ici, le tatatata. Ta ta ta. Indeed. Farewell. Not this one. Nor this one. And this one writing the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own ensnared. By the treacherous cult of the absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Donc là, vous l'aurez compris, avec cette boîte de dialogue là, vous allez pouvoir donc récupérer aussi des mercenaires qui seraient morts dans une autre vie, etc. Donc je vais changer. Et maintenant, voilà, je voudrais changer de classe ou la réinitialiser. Ça coûte 100 pièces d'or. Bah là, vu que je viens de le faire, <laughs> et bien du coup, maintenant, j'ai dépensé 100 pièces d'or. Donc je vais prendre magicien, mais cette fois-ci. Dans les sorts, je vais enlever main brûlante, je vais pas la prendre, je vais mettre autre chose à la place, peu importe, on s'en fout, c'est pour illustrer juste mes propos. Et du coup, maintenant, vu que j'ai le sort ici, je peux la prendre. Donc j'ai pas les pièces d'or, j'en ai que 33, mais si j'en avais 50, je l'aurais appris. Et comme ça, elle serait venue donc ici. Euh, ici, s'installer là, alors que j'ai euh, pris à la place le projectile magique. Donc si vous l'aurez bien compris, j'aurais eu main brûlante, mais en plus j'aurais eu projectile magique que tout à l'heure je n'avais pas pu prendre, puisqu'on ne peut prendre que deux sorts par niveau. Donc voilà, et là vous pouvez donc cliquer ici et voir en fait, et déjà j'en ai un autre, détection de pensée apparemment, c'est niveau 2, ça coûte 100 pièces d'or. Donc détection de pensée, je sais que lorsque je monterai en niveau, je n'aurai pas besoin de la prendre en montant de niveau, puisque je l'ai déjà dans mon inventaire. Il me suffira juste d'avoir les pièces d'or pour la prendre. Vous voyez, donc là à prendre, j'ai pas assez de pièces d'or, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et, et qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair pour les classes et multiclasses. Moi encore une fois ce que je vous conseille c'est vraiment le magicien pour débuter puisqu'il permet d'avoir énormément de, de un grand panel de, de, de compétences et de le si possible de le mettre en multiclasse avec une, 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 une classe beaucoup plus physique, beaucoup plus robuste, pour avoir les avantages des armures et du maniement des armes. Et comme ça les deux ensemble vous serez un super puissant match de guerre. Et avec broker dans votre équipe et vous aurez un très, un, un très bon, même un excellent soigneur selon comment vous le faites évoluer. Au passage, ce que, vous pouvez, ce que vous pouvez faire pour ce personnage-là, vous pouvez le faire aussi pour broker. Donc elle aussi pourrait faire des multiclass. Claire Paladin, par exemple, ça peut être sympa. Mais ça, ce sera aussi pareil le sujet d'une autre vidéo. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Si ma vidéo vous a plu, que vous n'êtes toujours pas abonné aussi, n'hésitez pas à le faire, moi ça me ferait super plaisir. Et à la commenter, hein, ma vidéo, si vous avez aussi des astuces comme ça à partager. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao thank <laughs> you